Samedi 14 décembre, le président de la République, Alassane Ouattara, achève sa visite d'État dans la région du Bélier, en attraction le meeting de Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire est compensée pour ses progrès en termes d'alphabétisation. Le pays reçoit le prix UNESCO Confucius. Ultime adieu des membres de l'ANC à Nelson Mandela, la dépouille du héros de la lutte anti-apartheid est arrivée à Kounou, son village natal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Fin aujourd'hui de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Bélier. Dernière étape donc, le meeting tenu à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Que faut-il retenir de cette rencontre? Eh bien, le chef de l'État Alassane Ouattara s'engage à préserver la paix dans le pays. Pour cela, le président de la République promet une élection inclusive en 2015 avec une commission électorale totalement crédible. On va tout de suite écouter un extrait du message du président de la République Alassane Ouattara lors de son meeting de Yamoussoukro. Nous, fouettistes, devons rester unis pour travailler et reconstruire ensemble notre beau pays dans la paix et la concorde. J'en appelle donc à la consolidation de l'union de tous les enfants du Fouet-Boigny. PDCI, RDR, UDPCI, MFA, UPCI et d'autres. Car ensemble, nous sommes en train de transformer notre pays, pas seulement de le développer. Chères sœurs, chers frères, en plus de l'union et du rassemblement, je suis aussi venu vous exhorter à la paix et à la cohésion nationale. Car sans paix, il ne peut y avoir de développement durable. Le président Oufouet était un artisan de paix et de dialogue. Il disait que la paix est notre bien le plus précieux et notre deuxième religion. Je voudrais donc, sur cette terre, m'engager à nouveau à préserver la paix et à inviter tous nos compatriotes au même engagement. Monsieur le maire, j'ai noté votre plaidoyer concernant le marché de Yamoussoukro. Je vous donne ma parole, nous allons reconstruire le marché de Yamoussoukro. C'est un engagement que je prends et vous savez que je respecte mes engagements. La Côte d'Ivoire décroche le prix UNESCO Confucius. Cette distinction vise à récompenser les pays qui connaissent des progrès sensibles en termes d'éducation et d'alphabétisation. Notre équipe de reportage a rencontré le représentant ivoirien, l'ONG Savoir pour mieux vivre. La structure lauréate a édité des ouvrages didactiques traduits en langue locale pour permettre aux analphabètes d'apprendre à lire et à écrire. Serge Colléa. Décerné à Paris, à l'ONG ivoirienne Sapomivi, Savoir pour mieux vivre, le prix UNESCO Confucius 2013 vient couronner les efforts de la Côte d'Ivoire en matière d'alphabétisation. Sapomivi développe une méthode d'alphabétisation basée sur la traduction de livres dans les langues maternelles pour au final atteindre un résultat efficace pour les apprenants qui assimilent aisément de par leur familiarité avec la langue. C'est ce programme, jugé efficace par l'UNESCO, qui vaut à Drey Lourougnon Mikal, présidente de l'ONG Sapomivi, et à la Côte d'Ivoire d'être récompensée au niveau international. Le philosophe chinois Confucius a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Et son idée, son objectif était que toute personne doit savoir lire et écrire pour pouvoir conserver la culture, ses découvertes, pour pouvoir les passer à la génération à venir. Rentrée en Côte d'Ivoire, la lauréate, par ailleurs éditrice de livres, continue de promouvoir l'alphabétisation, le livre et la lecture. Les syllabaires de nos langues, nous les avons. Nous avons aussi certaines traductions de certains romans dans nos langues. Et quand nous les faisons bilingues, français et la langue. Créé en 2005, le prix UNESCO Confucius est parrainé par la République de Chine. Il a pour objectif
de récompenser les projets particulièrement remarquables réalisés à l'initiative de personnes, de gouvernements ou d'institutions dans le domaine de l'alphabétisation des adultes et des jeunes déscolarisés en milieu rural. Les victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire ne doivent pas être oubliées. C'est le message clé du séminaire de réflexion pour définir un cadre de réparation des dommages causés aux victimes. C'est une initiative du ministère de la Solidarité, appuyée par le Centre international pour la justice transitionnelle. Grace Kando. La recherche de la vérité, la réparation des torts causés aux victimes des différentes crises en Côte d'Ivoire et le rétablissement de leur dignité. Autant de questions qui préoccupent le gouvernement ivoirien. Pour ce faire, un séminaire de 2 jours est initié en vue de la définition d'un cadre de réparation des dommages. L'État de Côte d'Ivoire va faire les réparations pour les victimes et cela de concert avec les victimes qui savent mieux comment orienter ces réparations-là. Il y a les victimes individuelles et les victimes collectives. Donc c'est sur ce point-là qu'on a réfléchi pour que vraiment les attentes des victimes soient satisfaites de la meilleure manière possible. Cette rencontre réunit les représentants de différentes organisations œuvrant dans le domaine de l'humanitaire. C'est l'occasion d'identifier notamment les victimes et de définir des mesures de réparation. Ça nous a permis d'élaborer des pistes de réparation aux victimes de Côte d'Ivoire. Et mon plus grand souhait, c'est que ces travaux ne restent pas dans les tiroirs, mais ça puisse être mis à la disposition des autorités, parce qu'il y a beaucoup de choses à exploiter. Ce séminaire sur la définition d'un cadre de réparation des dommages causés aux victimes des crises est organisé conjointement par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le Centre international pour la justice transitionnelle. Un moyen efficace pour rendre les tout-petits heureux pendant la fête de Noël, c'est bien sûr la distribution de cadeaux. Les enfants non-voyants et malvoyants de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel ont été comblés aujourd'hui de présents. Un don de l'organisation non-gouvernementale Mosaïque. Les détails avec Franck Wadio. Pendant les fêtes de fin d'année, nombreux sont les enfants qui reçoivent de la part de leurs parents des cadeaux. Un geste que ne connaissent pas forcément tous les enfants. Les enfants malvoyants et aveugles de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel, eux, vivront dans l'allégresse les fêtes de fin d'année. La raison, l'ONG Mosaïque décide de leur apporter du réconfort. On a des enfants qui sont malvoyants et aveugles. Ils sont pris dans les villages parce qu'ils sont délaissés à eux-mêmes sans aucune éducation. Ils ne peuvent pas intégrer nos écoles actuelles. C'est un moyen pour nous de nous occuper de l'ensemble des enfants du Mont-Carmel. Occasion aussi pour la présidente Thérèse Nda d'encourager et de sensibiliser les personnes de bonne volonté à la cause des enfants désœuvrés. Un soutien fort apprécié par les bénéficiaires. Je suis content de recevoir le cadeau. Elle dit merci à Dieu. En plus de ces actions, l'ONG Mosaïque mène des activités de développement, mais aussi des projets d'œuvres sociales et humanitaires au profit des personnes les plus défavorisées. At Work, entendez au travail, c'est l'intitulé d'un vernissage d'œuvres contemporaines inédites. Il s'agit de révéler les artistes plasticiens, sculpteurs et designers locaux. L'événement s'est tenu récemment dans la commune de Cocody. On retrouve Franck Wadio. Des phrases, des termes forts et des extraits de pensées profondes de jeunes amateurs d'art. Sur un autre pan de mur, des souvenirs inscrits dans des carnets que le visiteur découvre à loisir. Une expérience excellente, chacun parle de son individualité, de son ressenti, et c'est vraiment un projet à part qui révèle l'être unique en soi. En général, on s'attend à des œuvres exposées par rapport au thème, et puis là, il s'agit d'un carnet. Ça peut être un carnet de voyage, un carnet de souvenirs, ainsi de suite. Donc c'est novateur et puis bon, ça interpelle. Chaque carnet a un message, même chaque page a un message que l'auteur transmet à travers tout son répertoire. Le concept est « at work » ou encore « au travail ». L'art, c'est être au travail. Le but de l'art, c'est d'amener les gens à travers l'écriture, à travers le dessin,
de raconter une histoire, de raconter son histoire. L'exposition d'œuvres d'art At Work dure 2 mois. Et c'est sous la lumière, mais aussi à l'ombre. Une façon de mêler technologie et art. Une 20aine de jeunes artistes et des œuvres venues d'ailleurs. Le projet At Work est une collaboration entre la Fondation Lettera 27 et la Fondation Donvahi de la Côte d'Ivoire. Toujours au chapitre culture, la toute première édition du Festival des Arts de la commune de Cocody. L'événement va se dérouler en juin 2014. Il est également ouvert à toutes les autres municipalités du district d'Abidjan. Un point de presse a été animé récemment par les organisateurs. Un festival pour redonner à la commune de Cocody toute sa valeur artistique, culturelle et touristique. Le Festico, Festival des Arts de Cocody, pour mettre en lumière les œuvres d'art, la cuisine, la pâtisserie et bien d'autres activités ludiques de la commune. Auparavant, la commune de Cocody était une commune très culturelle et nous revenons à la charge pour redonner cette couleur de la promotion culturelle à Cocody. Cocody regorge d'atouts culturels et artistiques qui seront mis en exergue lors de ce festival, qui d'ailleurs a la caution des autorités municipales. Que tous accueillent ce festival avec beaucoup d'entrain, parce que c'est l'initiative d'un groupe de personnes, mais à l'intention de toute la population de Cocody. Donc nous souhaitons que toute la population accueille ce festival, surtout la jeunesse, et que ce festival connaisse le succès attendu. La première édition du Festico se tiendra les 6 et 7 juin 2014 dans tous les quartiers de la commune. Voilà, c'est avec Franck Wadio que nous mettons fin à l'actualité nationale. En Centrafrique, la distribution de vivres dans le camp de déplacés situé à l'aéroport de Bangui a été suspendue aujourd'hui. La raison, des hommes armés de machettes menaçaient le campement. Et pour mettre fin aux violences, le président de transition Michel Djotodia se dit prêt à discuter avec les milices chrétiennes. Les discussions vont porter sur leur amnistie et leur représentation au gouvernement de transition. 50e anniversaire marqué par une série d'attentats au Kenya. Le dernier en date a fait au moins 15 personnes blessées par l'explosion d'une grenade lancée dans un bus. Le Congrès national africain, l'ANC, rend un dernier hommage à Nelson Mandela. La cérémonie s'est déroulée à l'aéroport militaire de Waterkloof, près de Pretoria. Tous les cadres de l'ANC et anciens compagnons de lutte du parti communiste sud-africain ont salué la mémoire du héros. Il est 13h30 lorsque l'Hercule C-130 qui transporte la dépouille de Nelson Mandela atterrit sur le petit aéroport de Mtata. Porté par des vétérans de la branche armée de l'ANC, l'icône mondiale de la réconciliation entame son dernier voyage. Entre l'aéroport et Kounou, son village natal où il sera enterré demain, une trentaine de kilomètres. Une route au bord de laquelle la foule s'est massée dès l'aube pour un ultime au revoir. Je suis triste, mais d'un autre côté, je suis contente. Il a fait tellement de choses pour nous, les enfants d'Afrique du Sud. On lui en est reconnaissant. Pour moi, c'est sûr, il va aller au paradis. Dieu accueille les meilleurs d'entre nous au paradis. Quelques heures plus tôt à Pretoria, c'est sa famille politique qui lui a rendu un ultime hommage. Sur le cercueil, le drapeau de l'Afrique du Sud a laissé place aux couleurs de l'ANC, la bannière sous laquelle Nelson Mandela a mené tous ses combats. Autour de sa veuve, Grassa Machel, et de son ex-femme Winnie Mandela, l'état-major de l'ANC est là. Les anciens compagnons de lutte du Parti communiste et du syndicat Kossatu aussi. Nous voulons te dire, Madiba, pars en paix, Tata. Tu as rempli ton rôle. Tu as apporté ta pierre à l'édifice. La page des hommages officiels est désormais tournée. Demain, Nelson Mandela sera inhumé chez lui, auprès de ses parents et de 3 de ses enfants. Une cérémonie traditionnelle à laquelle seule sa famille et plusieurs dizaines de dignitaires pourront assister. Pour terminer, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, a mis fin aujourd'hui à sa visite d'État dans la région du Bélier. La paix, la réconciliation nationale et le développement du pays étaient les maîtres mots de sa tournée. Très bonne soirée à tous et à très bientôt.